Démarrer l'enregistrement, c'est parti. Alors sur We Were Here Forever. Et par contre, alors attends, je veux pas t'entendre en double. Donc on va gentiment aller dans audio. Et puis le chat vocal. On va le mettre. Voilà. Voilà. Oui, d'accord. On va le mettre à Donc moins 10 on parce que 0, a priori, on t'entend quand même. est. Ah. Donc tu préfères qu'on utilise du coup Discord plutôt Ah que. oui. Ok. Voilà, je te mets à moins 10 aussi. Et ben, je suis prêt. Et ben, je vais échanger les rôles. D'accord, mais c'est quoi les rôles? Bon, bah, comme on ne sait pas, j'imagine que ça ne change rien. On repart comme ça du Bah coup? ouais, je pense qu'il y a, tu sais, comme le jeu, il est pas non plus. Enfin, il y aura des étapes où toi tu feras une mission pendant que moi je fais l'autre, et les deux se complètent pour Oui, bien débloquer le sûr. puzzle. Bien Et je sûr, bien pense que sûr. Non. si c'est après, on veut refaire en Ouais. voyant ce que l'autre a fait la fois d'avant. Ouais, c'est ce qu'on avait fait sur le dernier, effectivement. Bon, bah allez, bah, c'est parti. Ouais. Allez. Non, Prêt. pas. Début du jeu, Allez. c'est bon. Oula, il y a déjà un compte à rebours. Point de contrôle des gendarmes. Ok. Ah oui, donc on a direct la radio. Oui. Écoutez votre partenaire. Parlez plus Allez. fort. Ah, je dois parler plus fort! Ouais, mais. Non. Suis toujours bloqué. Voici. Ah, Ah, ça y j'ai est. pas bougé. Ah, c'est bon, ouais. D'accord, c'est ça la touche. Ok. Oula, mais qu'est-ce qui. Pourquoi je peux pas bouger? Non, mais c'est en clavier. Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'est en QWERTY. On va changer les touches. Inventaire gauche, inventaire droit. Oh là là, ça veut dire ça. On a la poche à gauche, la poche à droite et. Bon, ça a l'air bon. Il a failli appuyer sur le défaut pour valider. J'aurais fait la même connerie si tu m'avais pas dit. Ah ouais, c'est dangereux de mettre le bouton là. Je viens de le faire d'ailleurs. Hop là.
Ouais, c'est du seul port. Bon, déjà, on sent qu'il y a un peu plus de budget sur les précédents, j'ai l'impression. On va voir comment ça se passe après, mais pour le moment, ça promet d'être sympa. Communiquer ce que vous voyez. Oui, ça m'a fini. Tu fais quelque chose de particulier, toi, là? Je suis en train de me promener... Ah, d'accord. Je suis en train de me promener dans un cachot, et quelque part... au fond d'un cachot, c'est écrit « Nous sommes la somme. » The... La somme de nos parties, du coup. Moi, j'ai la fin de la phrase. The somme, the S-U-M. Voilà, et j'ai une porte avec... Moi, j'ai un symbole de mon côté. Avec trois symboles. J'ai une porte avec trois symboles. Tu peux interagir avec quelque chose ? Ouais, les trois symboles, je peux les changer. Et donc j'ai un éclair de Harry Potter, une étoile, une autre étoile, alors, et un logement. Je te dis ce que j'ai du coup. Moi j'ai un cercle. Ouais. À l'intérieur du cercle, j'ai un triangle. D'accord. Qui touche le cercle. Ouais. Et à l'intérieur du triangle, j'ai une étoile. Alors, un cercle. Ok. T'as une étoile. Une étoile à combien de branches ? 5. Une étoile à 5 branches. Donc t'as un triangle. Ok, bah c'est bon, c'est ça. Ok. Moi j'avais 3 symboles à mettre, et donc il fallait que je mette une étoile, un triangle et un cercle. Ok. Saut de la foi. C'est pas vraiment ça, saut de la foi. Non, pas vraiment. Je peux pas aller dans l'eau du coup ? Si, on peut aller dans l'eau. Ah, ça peut pas marcher l'eau. Ah ouais, non, il y a même un chemin pour remonter. Ouais, mais même que dans l'eau, en fait, moi j'ai un chemin pour aller quelque part. Oui, on va revenir en arrière avec. Ok, super. Au cas où la personne n'est vraiment pas douée et qu'elle arrive pas à remonter, je pense. Alors... Accroupir. Tirez-vous. D'accord, je me sers. Sprint en maintenant le bouton, ok. Monter en maintenant le bouton, d'accord. Bon bah. Ah. C'est comme un genre de tuto finalement. Ouais. Ah, j'ai un autre symbole ici. Ouais, moi aussi. Du coup, je pense qu'il va falloir que je te donne. Il faut que je te donne le mien. Et que toi tu me donnes le tien. Ok. C'est quoi, je commence. Vas-y, c'est quoi ton symbole? Tes symboles. Alors, moi j'ai un trapèze. Alors, un trapèze. À l'intérieur, j'ai un demi-cercle. Un demi-cercle. Et coupé horizontalement. Ouais, alors attends, j'ai pas de demi-cercle. Un demi-cercle. Découpé horizontalement, t'as la partie du haut ou la partie du bas du cercle? Celle du haut. T'as la partie du haut. Donc, un trapèze. Ah bah ça, et un éclair. Et un éclair. Ouais, oui. Bah je l'avais par hasard. et toi tu dois avoir une porte quelque part aussi. Ouais, j'ai trois symboles dessus. Donc il y a un cercle. Dans le cercle, ouais. T'as un pentagone. C'est une figure à cinq côtés. Ah oui, le cercle est... Alors je comprends le... Là j'ai un cercle. Ok, ensuite voilà. Pentagone, ouais. Un pentagone. Et ensuite, dans le milieu du pentagone, t'as un losange, mais Ouais, c'est bon. Ouais. Oh, j'ai une torche. On fait du feu. Basculer la torche. Ah oui, ça on peut. Éteint. Ah, il la rallume. Comment il la rallume? Il fait lumos et... Ah, c'est ça. C'est toi là-bas? Ah non. Pas toi.
Alors. Je peux allumer des torches, c'est cool. Ah là, il y a le symbole. Ok, bah j'ai la porte et le symbole aussi de mon côté. Ok, alors je vais te donner le symbole que moi j'ai. Ok, alors attends un autre. Ok, vas-y. J'ai comme un pentagone mais à six côtés, donc un hexagone. C'est une bonne description. Alors attends, ouais c'est bon. Dans l'hexagone j'ai un triangle. Donc c'est comme un pentagone mais avec trois côtés. Ouais. Et dans le triangle, j'ai une demi-lune. Une demi-lune, ah oui, ok. Je vais te filer le mien du coup. Ouais, alors attends, faut que je saute, hop là. Et faut que je mette les pièces, hop hop, vas-y. Alors, bon, moi c'est pareil, j'ai un pentagone à six côtés. Un pentagone à six côtés. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Après j'ai un carré. Un carré. Et ouais. Ensuite j'ai trois barres qui se rejoignent au milieu. Ok. C'est bon. Et bah allez. J'ai remis. Donc, toi aussi t'as vu un mec chelou de ton côté ou quoi? Ouais. Genre un zombie ou un truc comme ça. Ouais, un truc un peu mécanique. Oh coucou. Oh, tiens. Ah bah voilà. On peut faire une petite émote. Par contre, il y a vraiment la barre qui est pile au niveau du visage. Ouais. J'aurais pu faire, ouais. Voilà, c'est mieux. Ok, ça marche. Bon, avec les torches, on a qu'à faire flamber le bois et qu'on soit loin. Ah, hein. Clairement. Déclencher les mots, ah, bah, j'ai pas vu le tuto. Faut les appuyer. Ouais. Voilà. Bon, faut pas rusher tout le jeu comme ça. Hein. Bon, c'est tuto là. Ça zoomé. D'accord. Ça zoome. Ouais, ça va. Zoomé. Waouh. Ah ouais, ça change tout. Ça fait un gros bond en avant. Par contre, c'est clairement une grande salle. Oh, une clé verte. Et une serrure verte, c'est pas évident. Ah, j'ai à la fois la clé dans la main et dans la porte. D'accord. Ah, je t'ai envoyé un truc. Oui. Ah oui, un petit... Une clé peut-être. Ah non, c'est toi qui m'as donné une clé. Parce que moi j'ai une porte avec une serrure verte. Ah bah vas-y, tiens. Comment t'as fait Vas-y, reprends, je sais pas comment t'as fait. J'ai pas de manivelle. J'ai plein de symboles là par contre. Ah, j'ai ouvert la porte. Ah oui, il y a plein de symboles. Une couronne. Ah, une deux couronnes. Une couronne à 3 pics, une couronne à 5 pics. Un casque tout de fou. Une fiole. Une autre couronne à 3 pics. Re une fiole. Oh là là. Si je clique dessus, ça fait quoi? Il faut plein de clés derrière. Il va falloir qu'on s'envoie les clés. On va se détruire. Oula, là j'ai l'impression qu'il faudra penser à deux. Ok. Bon, bah écoute. On peut faire quelque chose avec ça. Interagir, oui. Tu peux interagir aussi de ton côté? Ouais, ouais, ouais. En fait, on peut bouger. On peut à peu près tout bouger. Ah, faut aussi, mettre. Tu peux prendre fourchette? Hein? Ouais. D'accord. Alors le rond, je peux pas le bouger. Ah si, ça y est, d'accord. J'ai juste mal.
Oula. Attends, pourquoi ça a bougé là? Ah, c'est peut-être moi qui les bouge. Ah oui. Ah. On a les mêmes pièces à gauche et à droite. Ouais. Ça, tu peux foutre là-haut. Ça, faut que ça aille en bas, faut la ranger là. Ouais. Parce que ça, je vais la ranger là. Du coup, ça... Que... D'accord, oui. Ça, on va y ranger où? On y range nulle part, ça. Ça me casse les couilles, ça. Si, faut descendre là, on va... Attends. Ouais, mais non. Non, en fait, fallait tout foutre à droite pour faire passer la couronne du pape. Attends. Ouais, c'est ça. Donc ça, je peux le mettre là. Et le coup de lui, je peux le faire monter. Donc lui, je peux le mettre en bas. Ouais. Du coup... Et le pape, il faut qu'il aille à droite. Donc j'ai juste à les ranger. Je l'ai mis en bas, mais ça ne change rien. Ouais, ça sert. Ah, voilà, ça on sait pas où le mettre. Ça, on le met là. Voilà. Oh, il y a la lumière. On y voit plus clair. Hein. C'est un peu compliqué comme interrupteur, mais. C'est vrai que tous les matins, quand tu vas allumer la lumière chez toi, c'est compliqué quand même. Donc là j'ai une clé rouge avec un code, de, probablement un code de coffre et des trucs à tourner. Ah bah moi j'ai aussi un truc à tourner. Avec un grain de café, un coquillage, une perle. Ah, j'ai pas d'indication. Ah. J'ai vu 4 trucs à tourner. Ah, il s'est chronométré. Bon. Ah bah moi ça je sais pas moi. Bon, ça on gardera ça pour plus tard. Et aucune autre indication nulle part. Je ne vois rien d'autre. Une espèce de bobine avec un 1 là-bas. Ça vous a dit quelque chose ça? Oui, j'ai déjà une bobine avec un 2 et un 5 sur moi. D'accord. Bon bah voilà, c'est des idées, moi j'ai rien. T'as pas une serrure avec une clé verte là-bas que tu peux ouvrir? Non. Genre il faut que je... Une serrure ronde et une serrure triangulaire de mon côté là. Ok. Alors moi j'ai une serrure ronde aussi. Je vais te renvoyer la clé verte, j'ai l'impression qu'elle va te servir à toi. Voilà. Ah moi elle me sert à rien. Hein. Par contre j'ai une étagère à bouger où il faut qu'on soit deux. Ok. Alors, sauf s'il y a un objet qui permet de faire levier peut-être. Mais... Bon, moi je prends la clé mais en vrai je vois pas ce que j'en fais. Hein. Alors attends, parce que le premier truc qu'on a activé là, c'est la passe. C'est une passerelle. Là je peux rien te donner. Oh. Pourquoi ça se... Tu pourrais pas faire le code au pif? Oh, si. Non. Là, il est. Bon, bah, j'ai résolu l'énigme. C'était quoi comme code que tu devais faire? Bah, je devais tourner des trucs d'un coffre-fort. Il y en avait 4. Avec 6 positions pour chaque. Et t'as fait en haut, en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, bah, j'ai compris. J'ai compris. Bon, on va dire que... Ah, ça m'a ouvert on va dire qu'on aura trouvé. Ah, ah d'accord, pardon. Je te le renvoie. Non, mais c'est pas possible, probabilité. Tu sais que t'as bouffé toute ta luque pour le reste du jeu, la reste du jeu. Ah bah ouais, j'ai l'impression. Hein. C'est fait pour quoi? C'est pour mettre des objets ici? Non, toi, tu me bats dessus. Ah. Faut avoir confiance dans ce machin. Voilà, une étagère. Ça me met pas poussé quand je suis à côté. Ah. Si ça y est, en fait, faut être chacun d'un côté. Oui, mais ça m'a quitté mon animation, c'est trop bizarre.
En vrai, tout seul, bien motivé, t'y arrives, ça. Franchement, ouais, tu appuies sur le mur. Ah, une clé. Moi, je prends la clé, je prends la bobine. Oui. Il y avait un truc à faire avec ta une clé. Oui, de mon côté, une clé de la forme que t'as, ça peut aller ouvrir un truc. Attends, mais ah. T'as pas pris ta clé là. Ah, si, elle est là, d'accord. Elle est plus rouge, mais. Ah, d'accord, j'ai compris, c'est là. D'accord, bah, du coup, ça, c'est de ton côté. Ouais. Une clé triangulaire. En fait, il y a une clé qui est disparue là. La clé verte? Non, la clé rouge ronde. Moyen, ah, moyen. Coquillage, machin, ok, je sais que tu disais ici. Ah oui, ça, ça s'ouvre là. Et là, ah oui, ça, c'est le... D'accord, c'est le code... Ok. Bah vas-y, je vais venir avec toi. Attends, moi je reviens de l'autre côté, là. Ah, ah non, d'accord. Ah bah si, faut qu'on soit deux. Ouais, bah ouais. J'arrive. Je te renvoie la console. J'en fais une clé jaune, oh là là. Je commence à faire beaucoup de clés là. Hein. Alors, eh ben allez, on est parti. On fait tourner le truc. Ah, j'ai trouvé des trucs de coquillage là. Ah bah ça va peut-être servir pour le training. Encore une serrure jaune. Ah, au milieu, ouais. Je vais voir les trucs de coquillage, c'est quoi? Ah bon. Attends, je vais essayer. Ah oui, d'accord. Oh, ah ouais, puis ça change toutes les... Ouais. Putain, puis c'est comme c'est tout des coquillages, ça va être compliqué à... D'accord, bon bah allez, on va faire tourner le machin d'abord. Alors, le premier c'est un coquillage, le deuxième c'est un coquillage. Vas-y, bah faut qu'on pousse. Ah oui, d'accord, pour moi. D'accord, pour moi le tien. Oula. Avec fort. Possible, ça sent les mains. Ouais. Ok. Ouais, balèze, hein. Il utilise la force. Ouais. Bon, le budget, j'en avais un peu plus, mais pas trop non plus. Par contre, je sais pas combien de temps on va tourner comme ça. Et c'est long, hein. J'ai vu Conan le Barbare il y a pas longtemps, il a tourné ça pendant une dizaine d'années, lui. Hein. Bon, écoute, ça tourne en vide, on est d'accord. Oui. Allez. Bah, coquillage. Ouais. Il y en a un qui remonte. Ouais, mais alors attends, parce qu'il faut comprendre le bousin, là. Oh, bah, on va s'arranger. Ah, il faut appuyer dans l'ordre, ok. Bon. T'es remonté ou j'y vais? T'es remonté. Je suis là. Enfin, je suis de l'autre côté, tu dois me voir du coup. Attends, on peut monter. Il y a la clé jaune dedans. Alors. Ah oui, t'es là. Il faut que tu me dises. Okay. Du coup, il faut que tu me dises la séquence pour que moi j'appuie dessus. Alors, du coup, me dis pas coquillage, coquillage, coquillage. Oui, bah oui, bah oui. Alors, attends. Donc, on est d'accord que t'as deux lignes. Oui. En tout, j'ai six symboles sur lesquels je peux appuyer. Alors, moi, la ligne du bas, j'en ai que 5 déjà. Okay. Et ils sont fixes. En bas, ils sont fixes. De toute façon, tu l'as vu le voir tout à l'heure. Donc, ça voudrait dire que en. Toi, si t'avais deux lignes aussi, toi, de ton côté oui, bah, moi, j'ai deux lignes de 3. Mais c'est des boutons en fait. D'accord. Oui.
Mais pourquoi... À quoi ça sert la rangée du bar en fait? Là je comprends pas. C'est ça qui est bizarre. Bon alors lui ressemble à une merde. En fait on a un qui ressemble à une merde. Ah complètement. Ok. Après il y, y a une boule de bowling. Oui, une perle, ouais. Ou une perle, oui. bah là j'ai donc les merdes, j'ai la perle, j'ai un grain de café. Ouais. Après j'ai un grand cône. Ouais. Et un grand cône avec une barre en dessous. Ouais. Ok. Ouais. Non, ça a rien fait. Non. Ok, on attend la prochaine séquence. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une ligne avec des flèches en dessous. Ça a forcément un intérêt. Ok, ça va être bon. Ok. Alors, la perle, la merde. Ouais. Un escargot. Ouais. Café et le cône. Café et le cône. Bah, j'ai fait la séquence. Ok. Alors, c'est quoi ce qu'il y a en bas? Et moi, alors j'ai les 6 boutons avec les 6 types de coquillages. Par contre, à intervalles réguliers, j'ai aussi un des 6 symboles qui apparaît en haut à droite. Ah, sauf un, là j'ai une coquille Saint-Jacques qui est pas ailleurs. Donc il faut peut-être faire la séquence quand c'est la coquille Saint-Jacques qui apparaît. Donc là c'est raté, donc on va attendre. Mais c'est bizarre. Alors, vas-y, donne-moi ta séquence. Escargot, merde, café. Ouais. Cône et cône avec la barre. Cône et cône avec la barre. Ah. Ah, il faut peut-être. Bah, non, c'était. Je l'ai fait. Il y a forcément un truc. Alors, le Saint-Jacques dans la roulette, il n'y est pas. Ouais. Par contre, moi, je l'ai en bas. En fixe. J'arrive pas à comprendre le lien avec le truc, si t'as que si. Moi j'ai le cône, la merde, le grain de café, le cône avec la barre, l'escargot et la perle. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Deux, trois, quatre. Café. Le café il montre. Ah oui, c'est la première. T'as rien à relier toi, d'accord? Non. Pas comprendre s'ils veulent me dire en fait. Je vais essayer de revenir de ton côté, peut-être qu'en voyant le puzzle ça va m'aider. Ouais. Vas-y, on va en échange. Ah merde, j'ai plus le temps de monter dedans. Ah oui, pardon. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un truc avec ça aussi, c'est sûr. C'est la ligne du bas en fait qui est très étrange. C'est vrai qu'il y en a un qui tourne en haut là, il a son intérêt avec ça. Peut-être qu'il faut juste associer au symbole qui est affiché lequel il correspond dans la roulette. C'est logique. Alors là, t'as quoi au-dessus du cône? Au-dessus du cône, j'ai la merde. Vous voyez, le bouton reste enfoncé. Ah. On va faire la séquence suivante. Ah, là, ça allume un truc. Ok, le café. Le café, j'ai le cône avec le truc allongé. Ok. Attends, la suivante. Ah, oh, ça va être ça. Oh, bien vu, t'as trouvé. Ouais, parce que moi j'ai des lumières qui s'allument là. Café encore. Café. Là, j'ai le cône. Ok. Et encore une. Ouais. La Saint-Jacques. La Saint-Jacques, j'ai la merde. Ok, ouais, c'est bon. Ouais, bah bien vu, hein, parce que... Alors, il y a une bobine, il y a une clé, et il y a un gros rouage. Ah bah le rouage, il va peut-être nous servir au milieu, là.
Alors attends, la clé jaune, là, je peux t'ouvrir avec. Il y a une porte là. Hop, ça t'a pas besoin de faire le tour. Je yes. crois la pensée aussi. Il y avait plusieurs portes qui pouvaient être ouvertes avec ça. Il y en a une jaune là aussi. Et le rouage, ça va faire en dessous. Ça va par là. Voilà. Là maintenant, ça doit faire quelque chose si on tourne. J'arrive. Ah là, il y a les bobines. Je vais les mettre dans l'ordre. Enfin, un ordre précis, il faut qu'ils veulent, mais... Il faut allumer la lumière. Oh, ça marche. Un gros ressort. Là, le brassard dans Forspoken, ça va connaître. Prisonnier extraction protocole. Ok. Ah. Première étape. Mort par électrocution. Ouais. Deuxième étape. On le gaze. Oh là là. L'empoisonnement. On l'électrocute, on le gaze. Ouais. Pour le découper, ça. Ouais. Et après, on met un brassard. Bon, je pense que c'est bon, on a tout décrypté. Ah, le brassard, il est là. Ah, oui. Faut le faire chauffer. Ça, ça fait tourner le truc qu'il nous avait montré. Ah, elle est là, l'électrocution. Et là, il y a les boutons avec l'ordre qu'il faut appuyer. Ok, et là, il y a une manette. Ah, ok, d'accord. Là il y a un truc à tirer pour évacuer la chaleur. Bon, est-ce qu'avant de partir là-dedans, on essaierait pas de faire tourner le truc au milieu maintenant? Si, complètement. Ça a pas l'air de bouger beaucoup. Hein. Non. Ah non. Ah non, c'est parce que t'as arrêté. Il y a rien qui bouge à mon avis. Bon. Il manque un. Ah oui, il en manque un là. Effectivement, il en manque encore. Bon, bah ça veut dire que la réponse va se mettre ici. Ah, ça tourne tout seul. Bon, déjà tourner la clé. Ça, on l'a fait. Et c'est bon. Ah, faut le refaire. Après, ça allume l'électricité. L'électricité, il y aura une séquence de boutons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Les boutons donc qui sont là. 1. Donc c'est en haut à droite. 3. Bon, ouais. Après il y a la vapeur. Ouais, c'est en train de fumer. La fumée est en train de sortir. Quand la fumée sort, faut appuyer sur le truc rouge. C'est un truc rouge ? Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. On marche pas des masses. Ah, il y a un truc là, d'accord. Ouais, ouais, je viens de le faire. Ok. Je pense qu'on va recommencer. Alors, première étape, on tourne la clé. Ah, ça tourne avec quel sens, ça ? Dis 1. 1, 2. Alors, petit 1, on a dit tourner la clé. Ensuite, ça met l'électricité. L'électricité, on fait la séquence... comme ça là, tac. En haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Ah merde, ouais. J'ai dû me tromper. Ah en oui, droite, c'est d'abord en haut à droite, gauche, merde. Bon, my bad. Allez, on recommence. On fait d'abord ça. Ça met l'électricité. Ensuite, on fait en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Voilà, ça fait la fumée. Et donc là, il y en a un qui tourne, qui active le levier au milieu là, le rouge, et l'autre qui le fait sur la machine et là. Et bah vas-y, active le rouge, toi. Ok. Voilà. Ouais, c'est un peu long, mais voilà. Ensuite. Ah. T'as pas vraiment fait tourner la roue, je crois. Ça aurait dû. Ça peut s'arrêter là, je crois, non ? Ouais, attends, je baisse mon levier. Ouais, toi, c'est rouge, ça allume. Bon, mon levier, il remonte.
Ouais, quand t'arrives au bout, t'en remontes. Qu'est-ce qu'il nous dit comme diapo? Alors, quand il y a la fumée, on fait les deux trucs rouges en même temps. Ouais. Ouais, c'est censé faire tourner la roue. Ouais, bah peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment en même temps. Ouais, ça doit être ça. Et à la fin, c'est quoi ce levier? Ah, c'est. Non. Ah, c'est toi qui était derrière, ok. Alors, on est reparti. Hop. On tourne la clé. On fait la séquence. En bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Il y a bien la fumée. Du coup, 1, 2, 3. Ok. Ah, ça marche. C'est bon. Et après, c'est le levier derrière là-bas, il me semble. Non ? Je sais pas. Voilà. Alors après la fumée, c'est les les manettes. Après les manettes, la roue tourne. La roue tourne toujours. Et après la roue tourne. Ah, il faut faire deux choses en même temps. Il faut descendre la poulie et activer la manette, effectivement. Ah, il va descendre la poulie aussi ? Ouais. Attends, je vais remettre. Donc, oui, d'accord. Donc la grosse manette elle est là, par contre la poulie elle est où? C'est ça là, non? Ouais, là. Ah. Ça va être ça. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Ah oui, c'est ça, ouais. Okay. Bon bah allez, hein. Allez, on recommence. La clé. En droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Bim. Du coup, après les boutons. 1, 2, 3. Et... Hop. Dès que ça tourne, moi je vais aller activer ma manette. Voilà. Et donc je vais aller activer ma manette, toi tu fais ta poulie. Ouais, moi ça tourne. Alors moi ma manette finit de se baisser. Voilà. Et après il y a le truc qui brûle. Voilà, et quand le truc brûle. Oui, ça sert à quoi de le faire brûler au final? Ah, il faut baisser. Il faut baisser le bleu et tourner la clé. Donc il faut faire ça, vas-y, baisse le bleu. Ouais. Faut baisser le bleu, tourner la clé. Ah. C'est fini. On a perdu un peu trop de temps. Alors. Bon là, c'est mort, on va falloir refaire. Oh, j'avais pas compris qu'il y avait encore un dernier truc là. Je sais pas, on devait se barrer avant. Non, non, c'est le 5. Ouais, c'est là. Ça chauffe. Donc faut faire échapper le gaz, tourner la clé et descendre le bleu. Donc toi, tu descendras le bleu. Et moi, je ferai échapper le gaz et je tournerai la clé. Ça marche. Alors, c'est reparti. Hop. 3. 2, 1, baisse ta manette. C'est parti. Voilà, là je vais aller baisser mon gros levier dès que toi t'as activé ton machin. Ok, voilà. Bon, ça tourne, c'est bon. Le gros levier, moi je pousse mon machin. Voilà. C'est bon. Et du coup. Et maintenant, le gaz, la manette bleue. Le gaz, c'est fait. Ah. Merde, je suis con, j'ai cliqué deux fois. Ah, ouais, bon. Donc, il y a le gaz, le bleu et la clé. Ouais, bon, bah, c'est ma gueule. Allez, c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Allez, ton levier dans 3, 2, 1. Vas-y. Ouais. Voilà. Ok, c'est bon. Bon, donc ça tourne, moi je vais faire ma grosse manette. Toi tu fais tomber la poulie. Voilà. C'est bon. Et dès que c'est allumé,
Voilà, c'est allumé ? Allumé, oui. Donc je fais un coup de gaz. Toi, tu baisses ta manette. Ouais. Je baisse la manette. Et dès que t'as fini de baisser la manette, tu me le dis et je tourne la clé. C'est bon, c'est allumé. Et tourne la clé. Ah. Ah. Voyons. C'est un sensor pour son travail, ça ? Pourquoi je peux pas venir ? Je sais pas, ça m'a montré. Ah oui, c'est le truc qui bouge. Ah. Oh. Du coup, on va aller chercher le dernier rouage pour pouvoir s'y rendre, j'imagine. Ouais. Et du coup, c'est. Oui, c'est d'accord. Ok. Bon, mais pas mieux. C'est vert, c'est moi qui ai la clé verte. Oula, ça me fait peur ça. Ah, il y a une combinaison. Il y a un bras mécanique. C'est la même, tu crois? Ah non, c'est celle qui est en haut dans la chambre. Ah oui. Bah alors, attends, je vais essayer de la trouver. Vas-y. On la voit presque d'ici, c'est dommage. Ouais. Seulement le zoom est un vrai zoom. Ouais, bah attends, faut que je fasse non. Le tour. Ouais, faut que tu fasses le tour. Il regarde quoi le bouton parce que. Je vois clairement un bouton sur un bout de planche déchiqueté, mais je vois pas ce qu'il active, hein. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Mais il fait. Et à l'intérieur, hein, ouais. En fait, ça, ils ont percé la planche, ça passe dans le tube métallique. Ah, c'est et ça. Ça remonte. Alors, dans la chambre, donc en haut à gauche, le pointeur il pointe vers en bas à droite. Et En haut à droite, le pointeur il pointe vers la droite. Okay. En bas à gauche, le pointeur il pointe vers en bas à gauche. Ok, bah c'est bon. Et en bas à droite, le pointeur il pointe vers le haut. Et bah c'est bon. Ah, apparemment non. Ah, c'est pas alors, ça. Redis, en haut à gauche c'est quoi? En haut à gauche c'est en bas à droite. Ouais. En haut à droite. En bas à droite aussi. En haut à droite c'est tout à droite. Ah. Alors moi en haut à droite j'ai que 3 crans. Ah, t'as en haut, en bas à droite et en bas à gauche. Ouais. D'accord, donc en fait il y a des points. Donc celui d'en haut à droite, tu le mets en bas à gauche. Ok. Voilà. Et celui d'en haut à gauche, t'as combien de crans? 6. Tu le mets tout en haut. Ok. Celui d'en bas à gauche, t'as combien de crans? 5. Tu le mets en bas à droite. Ok. Et celui d'en bas à droite, t'as 4 crans, tu le mets tout à droite. Ok. Oula. Oh, j'ai pris la porte en pleine gueule en gros. Ok, bah c'est bon. J'ai la clé. Et je l'envoie, j'imagine. C'était une porte triangulaire. Enfin, attends, une serrure triangulaire. Oh, j'ai vu pas mal de serrures partout, mais alors attends. Je vois pas quel intérêt t'aurais à me l'envoyer, puisque comme on peut tous les deux aller au même endroit. Ouais. Ah, mais en fait, tu vois. Tu m'as coincé? Comment ça je t'ai coincé? On part descendre. Et on voit l'ascenseur. Tu peux pas appeler l'ascenseur? Non. Ah ils mettent des boutons bien planqués sur les planches, mais. Ah y'a. Bah non même pas. Bah non ouais, je peux pas. On fait ici. Je me rappelle pas dans une porte comme ça. Avec une clé. Donc tu vois ce que j'ai dans la main? Ouais ouais. Oh t'en as dis donc des clés. Ah oui moi je fais partout hein. Attends, y'avait pas une porte là-bas tout en haut? Viens voir. Ah peut-être. Non, il y a une porte mais on peut pas l'ouvrir de ce côté-là. Non, il fait. On peut peut-être re-essayer de tourner ce machin là.
Attends, mais t'as fait tout le tour avec l'ascenseur tout à l'heure, mais en fait, on a ouvert la porte tout à l'heure. Ah oui. Est-ce que je vois quelque chose ici? Ah, il y a une porte rouge triangulaire là-bas. Ah, mais attends, ça me dit quelque chose, ça, du coup, au début. Attends, ça me dit quelque chose. Ouais, là, c'est bon, il y a... Ça va peut-être nous permettre de monter en haut, justement. Attends, mais t'es parti où? T'es revenu au tout début? Ouais, non. Ah, toi, au début, t'étais allé à gauche, moi à droite. Ouais. Après, je suis revenu à droite. Ah. Ma clé a pété, donc c'était la seule serrure. Donc il faut que je vienne de ton côté. Il faut que je vienne de ton côté, en gros. Ah non, c'est bon. La porte, je peux te l'ouvrir, celle qui avait pas de serrure. Ah. Celle qui avait pas de serrure, qui était tout en haut. Ouais. Ok, je... Celle-là est ouverte maintenant. Et il y a un gros rouage. Je peux le prendre tout seul. Oh, oh là là. On va dire tes baraques, toi. Ah oh bah oui, tu t'es dit, j'ai regardé Conan Barbare il y a pas longtemps. Par contre, je ne vois pas où je marche. je suis un peu en travers pour voir. C'est là? Non. Ouais, si, c'est là. Non. Ah si, d'accord. Ah, oui, bien. Voilà. Bon, là, on va pouvoir tourner. Hop. Il y a un sens. Bon. Non, mais il faut que tu... Oui. Mets-toi de l'autre côté pour qu'on pousse tous les deux dans le... Ça fait quoi? Ça tire bien un truc? Ouais. On voit un truc, ça, on voit que ça tire. Ouais, ça lève un peu d'ascenseur. Ah oui. Hop là. Oh! 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 Oh bah bon, non. Vas-y, casse-toi hein. Ah, c'est moi qui ai le bouton, t'as pas le bouton toi en fait? Non. Bon bah écoute, on va rester comme ça alors. Hein. Alors attends, on va regarder où ça m'envoie avant de m'y envoyer. Ah, non, mais c'est parti en fait. Hein. Ouais, non, mais vas-y. C'était pour rire, genre imagine ça m'envoie au fond alors qu'au fond c'est de l'eau. Pas ouf hein.